Transformers avec aujourd'hui Wheeljack, donc de la gamme Transformers Prime, la catégorie Robot in Disguise. Donc Wheeljack, c'est le premier modèle qu'on a, puisque lui ne faisait pas partie de la vague First Edition. Donc voilà, Wheeljack, qui est de manière très classique, hein, une voiture blanche, voiture de sport blanche avec quelques dessins rouges et verts, donc qui renvoie bien évidemment au personnage original, hein, de la G1. Qui renvoie au personnage G1, mais uniquement en ce qui concerne l'esthétique, hein, puisque au niveau du personnage, ça n'a plus rien à voir avec l'espèce d'inventeur fou qu'on avait. Donc une petite voiture au demeurant fort sympathique, bon, rien d'extraordinaire, mais plaisant, voilà, il n'y a pas de... Voilà, une belle petite voiture. Bon, encore une fois, ça reste du classique, donc pas de grosses surprises. On va se faire une petite comparaison de taille avec, voilà, les deux autres Autobots qu'on peut avoir. Donc on peut voir, bon, évidemment qu'il est relativement plus petit, pas énormément, mais un petit peu quand même. Voilà, on voit qu'il est, surtout moins long, hein. Bon, ça c'est des First Edition, donc les First Edition sont un petit peu plus grand, donc, et puis clairement, bon, c'est une voiture qui est très fin à l'avant, donc voilà pour la petite comparaison de taille. En ce qui concerne le mode véhicule, voilà, pas très très gros, mais bon, ça passe, suffisant. Vous avez en dessous ces épées que je vais enlever tout de suite, que vous clipez sur ces parties là, donc qui vont être les pieds. Donc évidemment, en dessous, on voit les parties, on voit quelques parties du robot, mais bon, on s'en fout un petit peu. Hein. La vitre est transparente d'ailleurs, mais transparente assez foncée, ce qui fait qu'on voit pas, on voit vraiment pas grand-chose à l'intérieur, donc ça passe. Donc Wheeljack, qui nous arrive cette fois-ci avec des épées, donc plutôt des belles épées. Alors le manche là n'est pas de, normalement il est gris, comme vous pouvez le voir sur ce petit picot là. Moi je les ai colorés, enfin avec un feutre qui est censé être rouge, puisque les manches sont rouges dans l'animé. Bon là la couleur est pas encore géniale, mais j'ai pas tout à fait encore terminé. Les lames sont beau gris chromé par contre, donc vraiment joli, comme les roues d'ailleurs, hein. Vous pouvez voir, elle a vraiment des belles jantes. Donc un beau chrome avec des petites écritures cybertroniennes, voilà, à cet endroit là au bas de la lame, près du manche. Donc les lames qui se, comme vous avez pu le voir, se rangent en dessous, vous pouvez les mettre également sur le côté, donc ça pourra le faire également en mode robot, voilà, pas d'intérêt. Et vous pouvez également les mettre comme ceci, et voilà. Et vous pouvez faire si vous pouvez les mettre comme ça. Pourquoi ? Pourquoi d'ailleurs ? C'est vrai, pourquoi ? J'en sais rien. Bref. Aucun intérêt. Voilà, vous pouvez le faire. Certains aimeront. Bon, clairement, ça fait... non, pas d'intérêt, quoi. Mais bon, voilà, vous pouvez. On va tout de suite passer à la transformation. Alors, pour la transformation, on va commencer par laisser ces lames de côté. Donc en ce qui concerne la transformation de ce véhicule, elle me fait penser, elle ressemble beaucoup, je trouve, dans son aspect général, à celle de Lockdown de Revenge of the Fallen. Lockdown, si vous vous en souvenez, vous avez l'avant de la voiture qui fait les jambes avec les pieds, les bras des deux côtés du véhicule, et puis fallait l'ouvrir en deux et rabattre le toit du véhicule qui allait faire le torse. C'est un peu le même principe sur celui-ci. Donc vous allez commencer par écarter les deux, les portières, séparer la vitre en deux, donc voilà, donc avec les roues arrière comme ceci, donc vous avez des charnières plus un ball joint, donc voilà, comme ceci, ce qui va vous permettre de séparer, et voilà, donc d'ouvrir en deux, hop, je sais pas, c'est remonté là, voilà, comme ceci, donc là vous avez les jambes, vous allez les séparer en deux. Système des pieds assez ingénieux, vous pivotez comme ceci, voilà. Donc pareil de l'autre côté. Vous allez remonter cette partie-là et la plier comme ceci. Enfin la pivoter. Hop, on sort les pieds. Et on fait pivoter au niveau des hanches. Vous avez les pics ici au niveau des genoux à sortir. Et on a déjà les jambes. On va hop, remonter un peu tout ça. Voilà, pour avoir...
exemple. Alors, ensuite, vous allez remonter, donc descendre ces parties-là qui vont être les bras comme ceci. Remontez ça au maximum puisque vous avez des petites encoches là avec des pics ici qui vont venir se mettre là quand on va tout replier. Donc, il faut vraiment que ce soit bien replié. Bon, de toute façon, il y a des chances qu'il faille le rebouger quand même. Voilà. Donc là, vous allez rabaisser cette partie et en fait, quand vous commencez à la baisser comme ça, avant de le replier complètement, vous allez enfoncer cette partie-là. Et là, hop, ça fait ressortir la tête. Ça met en place le torse. Donc, hop, voilà. Vous voyez, il faut bien tout positionner. Voilà, parfait, ça s'éclipse là, ça s'éclipse là. On est bon. On a cette tête-là. Au niveau des bras, vous allez donc, là, vous pouvez, vous avez le coude. Vous avez cette partie-là également à déployer. Vous tirez sur la vitre, vous pivotez, vous renfoncez et vous avez les mains. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on pivote, on remet. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, il ne nous reste plus qu'à ouvrir cette partie-là derrière en deux. Donc vous les écartez pour faire ces espèces de petits ailerons. Et on a notre wheeljack en mode robot. Hop, on est peut-être un petit peu trop haut finalement. Alors, wheeljack en mode robot, qui est franchement réussi. Vraiment un très très beau robot, fidèle à ce qu'on voit à l'écran. Hein, vraiment, il est pas de soucis. J'ai quand même 2-3 petites choses qui, bon, rien de bien dramatique, hein, mais 2-3 petites choses au niveau de l'aspect qui auraient pu être mieux fait. Je trouve qu'il a des jambes relativement courtes. Et pas très large pour une fois, par opposé à son Generation qui lui avait des jambes vraiment beaucoup trop larges. Donc lui, ça lui fait vraiment des jambes très étroites et pareil, des tout petits pieds. Et par contre, il a des bras très très longs, très 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 grands. Vous pouvez voir qu'ils arrivent plus loin que les genoux. Voilà, ça lui fait vraiment des grands bras. Et puis, vous avez les vitres également, là c'est dommage. Les vitres à cet endroit-là qui pas très esthétique. Bon, ça gêne pas énormément, mais voilà, ça me dérange un petit peu. Et puis surtout, vous avez la tête. On donne l'impression qu'elle est un petit peu, voilà, qu'elle est un petit peu enfoncée, qu'il est toujours un petit peu pas bossu, mais qui se tient pas très loin. Enfin voilà, ça lui fait un aspect un petit peu bizarroïde. Bon, je chipote, voilà. Je chipote clairement, mais voilà, c'est 2-3 petites choses qui me gênent. Mais en dehors de ça, voilà, il est vraiment, c'est vraiment un excellent jouet, très 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 bien articulé. Donc au niveau des pieds, vous avez un ball joint là. Bon, au niveau des genoux, voilà, 90 ball joint au niveau des hanches. Au niveau des mains, très très bien articulé puisque vous avez une charnière. Plus oui, c'est un ball joint d'ailleurs, un ball joint plus une charnière, donc vraiment on peut très bien articuler les mains, donc les coudes, voilà, comme ceci. Vous en avez également une autre articulation là en plus du ball joint, et la tête sur un ball joint, mais donc voilà, cette tête un petit peu avancée, mais un jouet qui a une excellente posabilité. Ses épées, donc il peut tenir ses épées dans chaque main. Hop, tiens, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, pour une fois, on va changer. Moi, j'aime bien. Voilà, on met une dans ce sens-là et une dans l'autre. Hop. Ah. Tu vois, c'est un petit peu chiant de. Voilà, suffit de bien. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, vraiment une excellente. Excellente posabilité, on peut vraiment lui donner un petit peu de feutre rouge car on peut lui donner de très très bonnes positions. Donc avec son style un petit peu samouraï, ninja avec ses deux sabres. Donc clairement fidèle au personnage qu'on a à l'écran. Donc qui a plus rien à voir avec le personnage original, puisque là ils nous en font un Wreckers, un casse-cou, un adepte de la castagne, voilà. Et surtout un excellent combattant, d'après ce qu'on peut en voir, qui manie très bien ses épées. Bon, on n'a pas de canon, on voit qu'au début là il a un canon. Là on en a pas, on a juste ses épées, mais bon, c'était selon moi le plus important et le plus iconique, on va dire, pour ce personnage. Les épées, vous pouvez, comme en mode véhicule, les stocker de chaque côté, là. Voilà.
pouvez les mettre là, bon, l'autre côté aussi, mais surtout, vous avez des petites fentes là, de chaque côté, enfin voilà, vous avez des petites encoches, et bien vous pouvez les mettre là, voilà, des deux côtés, comme ça on a les manches rouges qui dépassent exactement comme dans l'animé, donc ça c'est assez bien foutu, hein. Franchement c'est vraiment sympa qu'on puisse faire ça, c'est voilà, c'est un tout petit truc, hein. Vous avez vraiment un tout petit encoche, mais c'est suffisant, voilà, on a les manches qui dépassent, voilà, c'est pas exactement le kila, ça fait un petit peu des gros manches quoi, mais c'est vraiment bien pensé. On va se faire une petite comparaison. Alors, le voici à côté de Bumblebee. Donc, voilà, il est un petit peu plus petit. Voilà, de pas grand chose, mais surtout, bon, j'essaie de bien le redresser. Voilà, encore une fois, on a surtout cette impression qu'il est toujours un petit peu tordu, un petit peu la tête, voilà, tout, je trouve pas le mot exact, mais voilà, on n'a pas l'impression qu'il se tient bien droit, donc bon, ça compense un petit peu, mais voilà, par contre, il fait clairement plus large, donc surtout avec ses grosses épaules et ses grands et longs bras, voilà, donc en termes de taille, on est sur quelque chose d'équivalent, et puis si je le mets à côté du voyageur, hop, voilà, à côté du voyageur Optimus Prime. Voilà, encore une fois, bon, on est sur des bonnes échelles, hein, de toute façon, on sait qu'Optimus Prime, c'est un voyageur, et puis, les autres en taille de luxe, ça colle à peu près. À peu de choses près. Voilà, voilà, pour les tailles, donc on est dans un jouet de standard, on va dire, un petit deluxe, on va dire, par rapport à ce qu'on avait avant, mais maintenant les deluxe sont tous un petit peu perdus de leur grandeur, on va dire, en parlant littéralement, de tous les Transformers maintenant sont un petit peu plus petits qu'avant, donc voilà, on reste sur du classique, voilà. On va maintenant passer au retour. Alors, pour venir en mode véhicule, bah, c'est relativement simple, hein. C'est tout ce qu'on a fait, mais dans le sens inverse, donc déjà on va mettre ses épées de côté, on va y revenir après. Donc on va commencer par les bras, donc vous écartez comme ceci, hop, voilà, on fait pivoter, hop, là, pareil de ce côté-là, on enfonce bien, on met les bras, voilà, on replie le tout, hein. Aucune difficulté de ce point de vue-là, là, de ce côté-là, vous repliez bien ça, vous l'éclipsez correctement, on détache cette partie-là, en poussant sur la tête, on fait ressortir ça, alors là, faut bien le clipser, vous avez des petites lamelles, voilà, hop, on va tout de suite mettre les bras dans le bon sens. Voilà, en ce qui concerne les jambes, pareil, on fait tout en sens inverse, les pieds, on les baisse, on fait pivoter et on descend ça, et on tourne les jambes, donc pareil là, hop, on fait pivoter, on descend, voilà, et on ramène, hop, on pivote là, on clipse bien parce que des fois ça peut rester, voilà. On clipse les jambes l'une à l'autre. Et on ramène tout ça là, avec cette partie-là. Hop, ça doit pas être bien droit. Alors. Voilà. On reclipse là. Alors. Il y a toujours des petites subtilités pour venir en mode véhicule. Sur celui-ci, en fait, c'est les mains. Il faut bien les ramener vers l'intérieur. Parce qu'elles vont venir se mettre là, et sinon, voilà, cela appartient un petit peu, pas difficile, mais voilà, on peut rencontrer une petite difficulté quand on ne sait pas, c'est de reclipser les bras, comme ceci, là c'est un petit peu tortueux, c'est vraiment juste au niveau de l'espace laissé, donc voilà, bien enfoncer les mains, et après vous avez, hop, un petit picot à mettre à l'arrière, comme ceci, pareil de ce côté-là, voilà, et puis ensuite, vous clipsez bien des deux côtés, vous refermez la vitre, et puis voilà, et puis donc bah, vous remettez les épées en dessous, hein, ou à l'avant, s'il y en a qui l'aiment comme ça, hein, voilà. Moi, je trouve qu'elles sont très bien en dessous, quand on les voit pas. Voilà, donc retour en mode véhicule,
aucune difficulté. En conclusion, donc notre Wheeljack, on a une voiture réussie, sympathique, sans grande surprise, mais plutôt réussie, de taille correcte, vraiment bien détaillée. Donc mode véhicule. Et en mode robot, clairement un personnage fidèle, vraiment là le mode robot c'est le point fort de ce jouet, bien articulé, bien posable, fidèle à ce qu'on a à l'écran. Donc encore une fois, juste titre personnel, vraiment je trouve qu'il y a des petites proportions qui auraient pu être vues, mais vraiment je chipote vraiment. Voilà, vous l'aurez compris, je trouve que c'est vraiment un super beau jouet. Donc honnêtement, si vous ne l'avez pas encore, courez vous le prendre, c'est vraiment une très très grosse réussite. Une transformation simple, les deux modes sont vraiment bien. Voilà, franchement, ouais, ce jouet est réussi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Transformers.